j'ai fait mon école, j'ai rencontré ton soupirant. Mon soupirant, puis là, mon soupirant, là, disons que il m'a écrit, tu sais, il est parti, moi, disons que j'y pensais, mais pas plus que ça, là. Et puis, il est parti à Vancouver, en Ontario, puis il était vraiment fils de fermier, puis il avait fait son école d'agriculture. Puis toi, t'avais fait toute ton école. Puis moi, j'avais fait, tu sais, puis Antoine, toi, vraiment de son goût. Alors, il m'avait écrit, puis vraiment, il écrivait bien. Il avait une belle main d'écriture, puis il écrivait bien. En tout cas, je lui ai dit, hey, ça, c'est quelqu'un, ce gars-là. Je n'avais jamais vu une écriture de gars qui soit aussi bien écrite, à moins qu'il l'a fait écrire par quelqu'un. J'ai pas osé penser que c'était un autre qui a écrit sa lettre. Mais là, il y a des. Là, moi, j'y ai répondu. Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais dit ça à ma mère. J'ai dit, moi, tellement envoyé une belle lettre. Puis, hey, là, mais là, il aurait fallu, moi, que je le marie, puis que je prenne pays, là, que je parte à Vancouver, en Ontario. Puis là, une bonne journée, il décide de venir me voir avec sa sœur. Il part de Vancouver. Il est peut-être venu à Ville-Marie pour voir des gens ou. Au chef-lieu, mais il décide de venir me voir. Puis, cette journée-là, moi, je décide d'aller à Rouen magasiner. Alors, il arrive à peu près dans l'avant-midi, il s'en venait me voir, il monte la côte, il arrive chez ma mère, puis il dit, je vais en venir voir Cécile, il dit, j'ai correspondu un petit peu avec elle, puis, alors là, bien, elle dit, mon Dieu, elle est partie pour Rouen, bien, je ne sais pas à quelle heure qu'elle va revenir, hein, puis, alors, tu sais, il a tenu un bon bout de temps, là, puis il a été visiter un petit peu le village, puis il a essayé de tuer le temps en attendant que j'arrive, puis moi, je pense que je suis arrivée, je pense, à 7h30 du soir. Alors, il était reparti, là, parce que là, il était à noirceur, puis il était avec sa soeur, il fallait qu'il retourne. Alors, il est reparti, puis là, je arrive dans la maison, puis ma mère a dit ça. Elle a dit, imagine-toi que Gérald, il est venu, elle a dit, il a dû s'en aller, parce que il était plus capable d'attendre, là, parce qu'il fallait qu'il s'en aille, puis... Là, moi, là, déçue, là, au bout, là, oh, j'étais fâchée après un moment, comme si c'était de sa faute qu'elle l'a laissé partir. Puis j'ai dit, oh, mais y avez-vous de bien manger toujours? L'avez-vous bien reçu? Puis là, je disais toutes sortes de choses, fâchée, là, comme si j'étais fâchée après un moment, mais j'étais fâchée d'avoir manqué ma date. Puis là, là, en tout cas, là, je vais me coucher, puis là, j'ai dit, bon, comment ça se fait que c'est arrivé? Puis là, je me suis mis à me mettre ça en question, puis à me dire, là, bon, c'est pas arrivé pour rien. J'ai manqué, c'est parce que c'est pas le mien, puis bon. Puis si un jour ça marche, je m'en ai... Puis moi, je pensais déjà, à l'âge de 16 ans, quand j'étais à l'école Moffett, j'avais rencontré mes sœurs. Ben oui, parce que t'avais vu beaucoup de sœurs. Puis tu sais, puis il y avait la sœur qui s'occupait de la couture, puis qui était bien fine avec les filles, puis tu sais, je l'aimais beaucoup, puis j'ai vraiment... penser à la religieuse à ce moment-là, parce que, en tout cas, si je faisais une sœur, là, je voudrais être une sœur comme ça. Puis que je trouvais ça, tu sais, elle s'occupait des filles, puis elle était une bonne éducatrice, tout ça. Alors... Mais,